Le monde du digital est vaste, il touche tous les secteurs d'activité. Je pense que les personnes qui sont les mieux armées pour accompagner des entreprises dans cette transition digitale, ce sont des étudiants qui sont dédiés dans une filière au digital. Notre vision et notre mission, c'est d'éveiller les étudiants aux bonnes pratiques du digital pour les accompagner et leur permettre d'exporter ces bonnes pratiques demain en entreprise. On n'a pas de professeurs, on a des intervenants professionnels qui sont encore en poste aujourd'hui dans le secteur et qui échangent avec les étudiants au jour le jour sur les actualités du marché, le décryptage des tendances du digital de demain. Nos méthodes pédagogiques, ce sont des échanges sur des cas concrets qui pourraient apparaître en entreprise, pas des cours magistraux, justement pour préparer les étudiants à répondre au mieux aux problématiques auxquelles ils seront confrontés en entreprise. Nous tentons de faire réagir les étudiants, de créer de la participation, de l'émotion, de l'adhésion, ou au contraire de la répulsion, sur des problématiques et des enjeux de notre secteur. Ça se travaille concrètement avec des anecdotes, des situations concrètes auxquelles les intervenants ont été confrontés. Un exemple très particulier que moi j'utilise comme anecdote auprès de mes étudiants, on est tous confrontés à l'impact du digital et de la data à l'heure actuelle. La data, c'est quelque chose que les étudiants peuvent visualiser, mais ils ne voient pas forcément les tenants et aboutissants qui peuvent être derrière. Typiquement, quand on travaille sur des problématiques data, en bon marketeur, on peut penser « Très bien, j'ai une excellente data que je peux exploiter et appliquer, qui va me permettre de résoudre des problématiques business. » J'ai demandé à des étudiants de sortir leur smartphone et de faire quelques manipulations sur le mobile. Depuis le début de l'utilisation d'un téléphone, le téléphone stocke des data. Après quelques manipulations, on est tombé sur une interface qui stocke l'ensemble des lieux fréquents, mentionnant du coup et stockant depuis le début de l'utilisation du mobile les lieux fréquents, les heures de passage et les fréquences de passage sur ces lieux, ce qui a créé au final directement de l'émotion auprès des étudiants qui étaient confrontés à un cas de stockage de leurs données personnelles. Et c'est là où au final la barrière entre marketeur et individuel s'efface au profit d'une personnalisation et d'une information que les étudiants eux-mêmes interprètent et analysent. Alors le digital marketing évolue tous les jours et Digital College essaie de suivre cette tendance. On a changé de campus il n'y a pas très longtemps, on est passé dans le Grand Arche de la Défense qui offre des locaux sublimes, un espace de travail collaboratif exceptionnel aux étudiants, et des conditions du coup, de cours pour nous intervenants également de très bonne qualité. Les cours et les intervenants sont repensés et remodelés chaque année pour coller au mieux aux évolutions. On recherche chaque année des intervenants qui ont des aspérités, des évolutions marché qui peuvent correspondre du coup aux tendances et aux aspirations d'évolution des étudiants. Digital College intègre par exemple cette année le marketing d'influence et travaille avec des youtubeurs, Florian Henner par exemple, sur des cours de marketing d'influence qui est un des sésames et un des graals du marketing actuel. Et quelques nouveautés arrivent également l'année prochaine. Dès le début de leur cursus scolaire avec nous, les étudiants sont immergés dans des problématiques business et d'entreprises partenaires qui les sollicitent sur une grande variété de sujets. Ces étudiants sont à la fois sur un rythme d'alternance et à la fois sur un rythme de cours, ce qui leur permet à eux de suivre et de monter en compétences graduellement au rythme des missions qu'on leur confie en entreprise. Et également, ça permet aux entreprises de bénéficier de personnes qui sont adaptées à leurs problématiques et qui leur apportent également un vent de fraîcheur sur les problématiques du digital, la révolution digitale et sur ce qu'un regard nouveau par rapport à une entreprise peut apporter sur les enjeux de l'entreprise de demain. Digital College construit ses modules avec un objectif simple, former les experts du digital de demain. Nos cursus sont construits avec des professionnels en activité qui restituent une image d'actualité du marché et qui permet de donner les meilleurs insights aux étudiants qui seront les professionnels de demain. Nous sommes du coup dans une approche totale par rapport au digital, en immersion dans des problématiques business attendues,
qui sont peut-être un cran supérieur par rapport à d'autres formations où on est plus dans des problématiques au travers d'un cursus lié au digital et pas forcément une formation dédiée à ces enjeux. Je pense que le plus important, c'est surtout d'être passionné par ces enjeux. On est sur un secteur où il n'y a pas forcément de perdants ou de gagnants, il n'y a pas forcément de retard à rattraper. Le secteur évolue tellement rapidement que le plus important, c'est la passion, l'envie, le besoin d'innover, de changer et de challenger les choses. Ce qu'on attend des étudiants, ce n'est pas forcément d'avoir un niveau d'excellence, c'est surtout d'être capable de se remettre en question, d'innover et d'être justement dans la même phase et les mêmes paradigmes que le digital, se réinventer tous les jours. Avec des problématiques comme les enjeux de la data à l'échelle européenne en ce moment, gardez à l'esprit qu'un vrai professionnel, c'est une personne qui a des compétences, des valeurs et surtout une vision de son business qui doit être amenée à perdurer et pas forcément pratiquer la politique de la terre brûlée comme on a pu le voir sur certains secteurs, notamment la publicité où le modèle doit se réinventer à l'heure actuelle à cause de mauvaises pratiques qui ont peut-être perduré pendant trop longtemps.